Xavier, bonsoir. Défaite 2-1 ce soir à La Pontaise contre le FC Vaduz. Un match un peu difficile, surtout les premières minutes. Qu'est-ce qui a manqué à Lausanne pour revenir au score et l'emporter? Je pense qu'il manquait un petit peu de tout. Vaduz a été très agressif, est venu nous chercher, a été très bon dans tous les compartiments du jeu. Et puis nous, on était simplement un peu moins bien dans tout. Je pense qu'il a manqué vraiment peut-être 10% dans tous les domaines pour pouvoir espérer gagner ce match. Est-ce que vous avez l'impression que les nombreuses absences, notamment au milieu de terrain, elles vous ont coûté aujourd'hui ou est-ce que c'est pas une excuse? Il manquait beaucoup de joueurs qui sont très très bons, ça c'est clair, mais on a un contingent très étoffé et puis ça donne l'opportunité à d'autres joueurs de pouvoir jouer. Je pense pas que c'est une excuse. Je pense qu'on a vraiment une très bonne équipe, on a vraiment un bon groupe et malgré les absences, on doit vraiment faire une grosse performance. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire et gagner ce match qui était très important pour nous. Et voilà, il faudra faire mieux le prochain match contre Saint-Gall. La suite, justement, vous en avez parlé avec les joueurs après la rencontre. Quelle était l'idée que vous êtes échangée? Bon, déjà, il faut digérer ce match, cette défaite. Et puis à partir de demain, il faut se concentrer pour le match de Saint-Gall et puis oublier ce match d'aujourd'hui. Merci, Xavier.